right. It's all right. Okay. Whoops, outside your head. Whoops, outside your head. Whoops, outside your head. So when the sun goes down, Moosha, darling, in the mood for love, you feel like dancing. Rub it up, boogie to some music. Boogie to some music. Boogie to some music. Boogie to some whoa, whoa. Come and quick go to eat a robot up. I wanna know how you feel it. Come and quick go there by diddly bang. I wanna know how you feel it. Sounds called ravers. I got to crave it for more. South Caravas, I got you craving for. Come back, we go to eat a robot of Irene. I wanna know how you feel it. Irene. Come back, we go dead by diddly bang. Irene. I wanna know how you feel it. Irene. Reggae bandwagon is the fashion that's going around. Masters back in town, the fashion is going around. So when the sun goes down, Moosha, darling, you're in the mood for love, you feel like dancing. Rub it up, rub it up, rub it up. Sounds called ravers. I got you craving for more. Sounds called ravers. I got you craving for. I make you gonna eat it. Oh my God, Stiley! I wanna know how you feel it. Irene! Gonna make you go there. Stiley! I wanna know how you feeling. Irene! Got you craving for more. Got you craving for more. Got you craving for more. And more. And more, and more, and more. Okay. Mr. David Hines dans le studio en live, s'il vous plaît, avec sa guitare. Ça, c'est quelque chose d'exception. On a de la chance de l'avoir avec nous de façon si intimiste. On a encore quelques questions à lui poser. On est avec lui jusqu'à 17h. Il est 16h22. Je rappelle qu'on donnera un petit coup de fil à notre ami Philippe. Faire un point sur la circulation, ce sera à 16h30. David, qu'est-ce que tu aurais fait sans la musique? Quel job aurais-tu pu exercer sans ce talent musical que tu as? David, yeah. If you didn't play or sing music, what kind of job you think you? What do you like? That's a very good question. I mean, thank you. As far as I'm not really a sports person, so that I would not be running or throwing a javelin or anything like that. Il n'est pas forcément très sportif, course à pied ou javelot, c'est pas trop son truc. I be trying to find the most when it comes to commodity and being an entrepreneur. I think one of the most successful aspects of that is when you have a form of business, maybe real estate. I've probably been to property where I'm buying and selling property. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il aurait été auto-entrepreneur. Il n'aurait pas, je pense, travaillé pour une compagnie, une société. Il serait peut-être lancé dans l'immobilier. D'accord. Voilà. Un businessman. A business, yeah. And I mean, I also like, I mean. But hello, without chief. Without chief. Yeah, without chief. Yes. Okay. Without chief? Yeah, I mean you can work with the chief? No, I will be my own boss. Yeah. That's a problem because I think I've been spoiled that much where I'd prefer to work for myself. So I'll be like having a business where I know I will be bearing the responsibility, whether it's real estate or whether, I mean, I like cuisine, Jamaican cuisine. So, you know, in remote areas like here, for example, if I was living here, one of the first things that would come to my mind is to open something that sells a lot of things that are Jamaican.
You know, the food. Il aime bien la culture jamaïcaine, la cuisine jamaïcaine, et donc du coup, peut-être qu'il aurait aussi lancé son business autour de ce thème-là. Oui, okay. Pourquoi pas en Nouvelle-Calédonie? Plus, I do like art as well, so maybe I would be doing that as a pastime, which I am doing now. I sort of paint every now and again, you know. Effectivement, c'est un excellent dessinateur. J'ai pu voir toutes ses œuvres, et sincèrement, il a beaucoup de talent dans le dessin, et je pense qu'il aurait pu faire une carrière aussi dans le dessin. Ok, David, il a des dreadlocks énormes. Alors pour nos auditeurs qui sont branchés sur NC Première, ils peuvent pas voir ses cheveux, à moins qu'ils ont vu les affiches un petit peu qui traînent dans Nouméa sur ce Reggae Month. J'aimerais savoir, est-ce que notre ami David est un Rastafari comme il se doit, à travers la pratique aussi de cet état d'esprit, est-ce qu'il en pense tout simplement? David, they want to know more about your dread. I mean, can you tell some words about the history of your dread? Wow, very interesting, because I've been locks in now. I have my dreads now a good part of 34 years. I would say I wouldn't be surprised if someone said it's 35. Donc il les a depuis 34 ans, 35 ans, voilà, exactement, ça va faire dans les 35 ans qu'il les a. C'est une culture pour lui, c'est très important. So I've had it for most of my life now. It all started out, like I said, with us being in the black community and realizing our African heritage, and through the music of Burning Spear, who spoke of Marcus Garvey, who spoke of Africa. And when we think of Africa, we think of Ethiopia. We think of Ethiopia. We think of Haile Selassie, and Haile Selassie has been the figurehead of our movement, the Rastafari movement. So, you know, this is what the dreadlocks is all about. Donc c'est Haile Selassie et qui l'a inspiré énormément dans cette culture-là, dans le Rastafarisme. Et donc il a et sa culture africaine, ses origines africaines, même si c'est un Jamaïcain, il vient de Caraïbes, il sait que ses origines sont l'Afrique, et donc Haile Selassie l'a énormément guidé dans cette voie-là. Est-ce que David finalement est plus, on l'a vu, qui a grandi dans un quartier en Angleterre, est-ce que David est plus un citadin ou quelqu'un de la brousse jamaïcaine, de la campagne jamaïcaine, et plus à vivre dans une case ou dans un immeuble avec des gens au-dessus, en dessous? Are you more person a countryman or more a person that live in the big city? You know, let's take for example. All right, my parents, my family are from the country in Jamaica. Matter of fact, we're from one of the most rural and remote parts of Jamaica, in Walkerswood. And in all honesty, when I go to Jamaica, I can spend about 2 days, mm-hmm. 3 days maximum in the country. I have to go back to the city and get hold of the city life. But... En fait, il dit que ses parents, ils viennent vraiment de la campagne jamaïcaine, et que vraiment il travaille la culture à la campagne, mais que lui, quand il y va, finalement, il y passe 2-3 jours maximum, et il peut pas s'empêcher de revenir vers la ville. Thank you for your answer, brother. Thank you very much. On va laisser passer une courte page de pub dans quelques instants. On fait un point sur la circulation et c'est pas fini. Il y a du live qui revient très vite. Je rappelle, avec David Heinz des Steel Pulse qui est dans notre studio, avec le groupe le groupe de Sound System, les Kill Dem Crew qui sont là aussi présents, qui nous arrivent de Paname. Et je rappelle également que le Reggae Month, ça commence demain soir. Rendez-vous MV Lounge. À tout de suite. Nouvelle-Calédonie Première. Pub. Employeur, évaluons ensemble les besoins en compétences de la Nouvelle-Calédonie. Répondez à l'enquête emploi Formation 2015. Complétez le questionnaire que vous avez reçu et renvoyez-le à l'IDCNC. Votre participation est essentielle. Nos enquêteurs peuvent vous aider au 28 42 98. Une enquête de l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie avec le soutien des partenaires sociaux et du gouvernement. Encore plus filou que les filous, les tout nouveaux petits filous choco arrivent au rayon frais. Riches en calcium et en protéines, un régal pour les petits gourmands de chocolat et pour les grands aussi. Un tout nouveau goût à découvrir ce week-end à Carrefour Kenuine. Dégustation gratuite, distribution de tatou. Petits filous choco, c'est trop fort! Vous êtes Nouméen? Vous avez des enfants âgés de 3 à 17 ans, non boursiers? Le Centre communal d'action sociale de la ville de Nouméa propose une aide aux vacances sous conditions de revenus. Cette aide est utilisable dans tous les centres agréés par la province sud pour les petites vacances scolaires 2015. Renseignements au 24 49 47.
Sinon, en mars, vous n'avez pas envie de vous lâcher ? Joyeux anniversaire, mon pote ! Qui prend la tête de la course ? Vous couchez avec vos clientes, vous ? Et alors, ça me détend ! Et oui, en mars, les programmes se lâchent sur Canal+, avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? House of Cards, saison 3, Spotless et la reprise de la F1. Les programmes se lâchent aussi sur CanalSat, avec Bets Motel sur 13e rue et Gatsby le Magnifique sur Ciné+ Premier. Avec Canal+ et CanalSat, profitez des meilleurs programmes sur les meilleures chaînes en exclusivité. Alors lâchez-vous. En mars, la formule Tout Canal est offerte. Offre valable pour tout nouvel abonnement d'un an à partir de CanalSat librement et ou les chaînes Canal+, voire conditions en magasin sur canalplus-calédonie.com. Tous les matins avec Tim et Delia de 9h à 11h, si vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à vendre, quelque chose sur le cœur, ou si vous cherchez quelque chose, s'il te plaît, la parole est à vous sur NC Première. De 9h à 10h, Tim et Delia ouvrent les micros pour une heure de coup de gueule ou de coup de cœur. Et de 10h à 11h, ils ouvrent les micros à vos petites annonces au 258-258. NC Première, avec vous partout. Allez, c'est l'heure de donner un petit coup de fil à notre ami Philippe, faire un point sur la circulation Nouméa, Grand Nouméa, let's go. Durant tout le mois de mars chez Speedy, le forfait vidange tout compris pour les 4x4 et les utilitaires à seulement 9900 francs, voire véhicule et conditions en magasin. Tout est compris. Vidange, le filtre à huile, l'huile semi-synthétique totale, le joint de carter, les mises à niveau moteur, les points de contrôle et la main d'œuvre. Pour la vidange de votre 4x4 ou de votre utilitaire à seulement 9900 francs, c'est chez Speedy. Et c'est toujours sans rendez-vous. Ouvert en continu au rond-point NGA et route de la baie des Dames à Ducos. Et le voici, notre ami Philippe au bout du fil, le plus grand reggae man du pays d'ailleurs. Ça va ou quoi, Fifi ? Hey, yo, yo, yo. Bon, écoute, depuis quelques temps, tu as pu le constater, tout le monde l'a constaté, l'effet PAM, hein, tu en as parlé tout à l'heure, se fait ressentir au niveau du temps, ce qui risque de perturber un petit peu la circulation, puisque cet après-midi, eh bien, il bruine, enfin, il pleut même, et la visibilité est hyper réduite. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on fait, Xavier ? On roule moins vite. Exactement. On respecte ces distances de sécurité. On change ses balais d'essuie-glace. On allume ses codes, Xavier, et puis, il est vrai, très important, on vérifie ses pneumatiques et l'état de ses essuie-glaces. Et s'il y a un problème, la solution, notre partenaire est sans rendez-vous en plus. Ah oui, c'est formidable. La personne de la promotion au début, ok. Voilà. Alors, sur la vidéo actuellement, oula, attention, alors la pluie redouble d'intensité là en ce moment. Alors, sur la vidéo, le ralentissement est en place, au niveau, on va dire, de l'échangeur de Koikara. Et puis, on ralentit aussi, attention, hein, un peu plus tôt que d'habitude, aux sorties de Ducos, Et puis, c'est chargé, comme d'habitude, au célébrissime endroit, le célébrissime rond-point Chavis. Bonaparte, bravo. Merci. Voilà. Donc, attention, c'est mercredi. Mercredi, en temps normal, la circulation est quand même plus cool que d'habitude. Mais vu le temps, ça risque de se compliquer un petit peu. Voilà, Chavis. Ouais, ça, c'est à cause des motards qui prennent la voiture. C'est les faux motards. Ok. Ça marche. Merci, Philippe. À tout à l'heure, Chavis. Allez, à tout à l'heure. On est de retour ici dans les studios du Mont Coffin avec notre ami David Heinz des Steel Pulse. Je le rappelle, donc en concert, ça se passe demain soir et il est déjà là alors qu'il vient de passer 3 jours dans un avion. Thank you very much to be here, my friend. Et je rappelle qu'il y a avec eux le Kill Them Crew qui nous arrive de Paname. Merci les gars d'être ici aussi également. Yes. Alors, des petites questions juste avant de se relancer sur un autre morceau où là tu l'accompagneras sur un redeem. Donc, on est d'accord, c'est comme ça que ça va se passer avec David Heinz. Ouais. Ça se passera en son système principalement et c'est une méthode qui n'est pas toute nouvelle puisque on le rappelle le son système c'est les origines aussi du reggae tout comme Oui, parce qu'en fait, à l'époque, en Jamaïque, en fait, ils n'avaient pas les moyens d'avoir des instruments. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enregistraient, ils récupéraient des instrus un peu à gauche, à droite, et puis ils mettaient un camion dans la rue, et puis les chanteurs, même non-chanteurs, passaient, prenaient le micro, faisaient une tchatch de 2-3 minutes, open mic, exactement. Donc, c'est comme ça que la culture sound system est née en Jamaïque, et ça a cartonné... très rapidement aux Caraïbes et ensuite c'est monté en Angleterre. En Angleterre, États-Unis, Angleterre et puis c'est arrivé en Europe après, en France, dans les années 80, ça a bien commencé. Un rendez-vous très populaire aussi, c'était souvent aussi dû au refus d'entrer dans les clubs et autres. Du coup, ça permettait à toute la populace de danser sur les sons qu'ils affectionnaient à l'époque. Quelques questions à notre ami David avant de se relancer dans un autre morceau. Je voudrais savoir, David, qui est né il y a un petit moment maintenant, qui a seulement 10 ans de
moins que notre ami Bob Marley. Est-ce qu'il a des enfants, lui aussi, comme notre ami Bob, qui sont sur la relève? Ah, oh, la question qui fâche. Allons-y. He wants to know, you, are you like Bob Marley? Do you have many child? Come on now, I'm a Jamaican. Jamaican have lots of children. But no, I have nowhere near as Bob Marley. I have no intentions of catching up. I have 6 children right now, but Marley has doubled mine. and one of your children can make music in the future? Yes, I've got, well... Like Damien or Stephen or... Well, actually, my oldest son does what Damien does. Yeah, Baruch, yeah, that's right. He's also a rapper, and I've got my oldest daughter is a singer, and my second daughter is also a singer as well. Congratulations. Son aîné est chanteur, il est rappeur, et sa fille aînée et une autre fille sont également chanteuses. Il a 6 enfants. D'accord, donc un petit peu comme la génération Bob. 2 fois moins que Bob Marley. Bon, 2 fois moins. Il y en a peut-être qui ne sait pas, qui sont un petit peu dissimulés partout. Yes, here we go for music. Ok, ils partent donc sur des versions avec le Kill Dem Crew et notre ami David donc, qui est à la chanson, c'est ça? En fait, ouais, c'est comme tu veux. Donc nous, on a préparé un mix Kill Dem Crew, pur Kill Dem Crew, que de 100% de plate. Mais effectivement, avant ça, ils pourraient chanter un morceau Steel Pulse, David. Are you ready to sing a song? Yeah, I don't know which one you want. I mean, Surprise. He liked exactly. The surprise. Are you ready? I am tired, man. Yeah, I know that. Let's do Rivers, right? Let's did Rivers. Ah, you did Steel Rivers. Okay, Soldier. Let's do something else. All right. Let's do something else. Uno. Something else? Yeah, something. Uno. Sound system. You want sound system? You want stepping out? Do sound system. Sound system. Just give a few bars. All right. This for Kill Dem Crew. Yeah. Kill Dem Crew. It's better than you. It's a Kill Dem Crew. Hey, sound system, same old rhythm. My disco jive, drive I'm on wild. No sound system, God, I'm on a swinging. A jukebox jive, I can't cramp on style. I suck it to my sister. I move and imagine, mama. Feel the fashion, father. I rock him up and rasta. Ooh, wow! Yeah. Na-na-na-na. Zabby Boogie Blue standing in a corner. Swinging to the depths as the DJ play. Dig the music, Mr. DJ. I mark a music wheel as speeding. I suffer now to feel with rhythm. I rise a home before I press, I need it. Music dread, I had rest with ya. I had rest with ya. Dig the music, Mr. DJ. Pull up, Mr. DJ. Says I kill them crew. Better than you. I kill them crew. Yeah, kill them crew. Big up. Yeah, man. Ça se passera à partir de demain, donc au MV Lounge, ensuite à l'imprévu. Vendredi et ensuite le samedi. Au Bohème Bar. À partir de 21h les 3 soirs, vous pouvez retrouver les places en pré-vente à 2500 francs chez Compact Megastore, Micromedia et sur internet www.inlive.nc ou sur place les soirs des concerts. Voilà, David In, c'est le Kill Dem Crew. Yeah, thank you very much. I want to know one question about England. It's very difficult in England to like reggae music if they are the rain, if they are the wall very grey. You know what I mean? It's not like coconut tree and the beach and... C'est pas facile d'aimer le reggae en Angleterre avec le temps, la pluie, la grisaille. The good thing about reggae music, although it originated out of the sunshine and the palm trees, like you said, it also has that urban heart rendering feel to it. I mean, it's a music that can suit every kind of weather.